Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, aujourd'hui on est lundi, il va être 10h30. Je me suis préparée tranquillou ce matin parce que j'ai rendez-vous chez mon médecin, là je vais partir. J'ai rendez-vous chez mon médecin pour... le truc de mon suivi, voilà, tout simplement. Et j'avais déjà eu rendez-vous, mais il a neigé. J'avais reporté la semaine d'après et il avait reneigé. Donc du coup, il était temps. Donc, voilà, pour avoir un rendez-vous, là, j'ai galéré, mais ça va. Un mois après, quand même. Mais c'est parce que, bah voilà, il y avait des remplaçants et tout. Moi, je voulais mon médecin, n'est-ce pas? Elle s'en fiche. Donc là, je vais y aller tranquillou. Ça va être... une journée chill, après je vais aller chez ma mère. J'ai un colis à envoyer vintage, j'ai remis des trucs en vente sur Vinted, ce week-end, des baskets. Donc là j'ai un colis à envoyer, faut que j'aille à la poste et tout. Donc bah écoutez, je vais faire ça. Là je voulais juste ouvrir le vlog pour commencer cette nouvelle semaine. Nouvelle journée. On est mardi, il est presque 10h. Je suis désolée, je vous ai pas repris hier. Du coup, quand je suis partie chez la madre, enfin chez le médecin, après je suis partie chez ma mère, on est parti vite fait chez Action. J'ai rien acheté de spécial chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? Je sais même plus. Des sneakers. Voilà, c'est déjà pas mal. on a fait aussi 2-3 courses vite fait, mais voilà. Et je vous ai pas repris, pourtant je suis rentrée tôt, je suis arrivée chez moi, il était 16h, donc voilà. J'avais plein de papiers à faire, fallait que j'aille à la poste, fallait que j'envoie les Colissimo, donc pas les Colissimo, Vinted. Donc voilà, là j'ai encore des colis à déposer chez Vinted, à la poste aussi, alors que je dis dans l'annonce. Envoie uniquement au Mondial Relais, mais bon. Donc, mais ça par contre j'irai demain parce qu'il faut aussi que j'aille en récupérer un à côté de chez ma mère et qu'il y a des colis aussi, Colissimo qui arrivent demain chez ma mère. Donc demain je vais sûrement aller chez la Madrid, bah sûrement sûr. Enfin voilà, bref, je vous ai pas repris parce qu'après je suis rentrée, j'ai fait plein de trucs et voilà, je me suis dit ça sert à rien de prendre la caméra pour vous dire rien du tout. Donc programme de la journée, là je m'apprêtais à tourner une vidéo, je suis en train de finir de me préparer à la troisième partie de la vidéo Timou qui sortira la semaine prochaine du coup pour vous. Aujourd'hui il y a la deuxième partie qui est sortie, donc je vais tourner la troisième et dernière partie. Il va y avoir un long montage je pense parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Et j'ai des mails aussi à faire, j'ai regardé ce matin et tout, j'ai dit bon tranquille, cet après-midi je mettrai sur l'ordinateur. Voilà. Donc je vais faire ça, ça va être mon programme de la journée. Et puis là, bah, je vous ai pas montré la parure de la semaine. Je l'avais acheté l'été dernier, je sais plus. Enfin bref. Donc du coup, j'ai pas sorti justement. Il faut que je sorte tout ce qu'il y a dans le sac là pour sortir tous des sachets, sinon ça fait du bruit, c'est chiant. Voilà. J'ai fait plein de trucs ce matin aussi. Je vous ai dit, j'ai fait... j'ai fait que 2 colis. J'ai fait une lessive, j'ai étendu. J'ai détartré des choses. Bref, une petite journée qui commence bien sympathiquement. Bon, elle a toujours pas commencé. Je vais mettre des fondants pendant que je tourne. Comme ça va sentir bon dans la maison. Et puis, go pour tourner ma vidéo. Oh, ça rime. Il est un peu plus de midi, ça y est, j'ai terminé de filmer ma vidéo Timou. J'ai même tout installé, tout rangé, donc nickel. Franchement ça va, 2 heures pour filmer. Donc je vous raconte même pas comment ça va être encore plus long pour monter, parce que un rush de 2 heures on va dire, vous mettez le double pour le monter. Voilà. En général, comme on fait beaucoup de coupures, on coupe. Enfin, on va voir, on réécoute encore et encore. Donc, ouais, vous mettez facilement le double. Donc, voilà, je vais passer toute mon après-midi sur le montage. C'est pas grave, avant de faire le montage, je vais quand même... Ça va, mon raton mignon? Oh, ben oui. Je vais quand même manger, parce que j'ai faim. Hier soir,
J'avais pas trop d'appétit, mais j'ai fait des tagliatelles fraîches avec de la sauce au champipi, tomate champipi. Donc je n'ai pas mangé hier soir, je vais les manger là. Donc voilà, c'est cool, comme ça c'est déjà prêt, je vais aller faire ça et après bah, ça va être mon tage. Voilà, et ce week-end, enfin le week-end qui vient de passer là, je me suis resservi du air fryer. Et écoutez, c'est cool, j'ai fait des falafels dedans. Et c'était bien moelleux et tout ça, donc je suis contente. Je m'en servirai encore et encore. Et on verra bien. Mais comme c'est vrai que. Parce que ma mère, elle s'en sert tout le temps. Mais moi, je suis pas une viandarde. Je mange pas de viande et tout. Donc je fais rarement cuire des trucs à la poêle et tout. Et quand ça m'arrive, je fais ça dans le Cookeo. Je mets la version cuisson dorée. Et puis je fais cuire les trucs comme ça. Tu crois qu'on t'a pas vu là? Eh? Mon petit félin des bois. C'était un félin d'appartement. Enfin bref, du coup, je m'en suis quand même servi 2-3 fois déjà et j'aime bien. Voilà, donc là, je vais faire le montage. Enfin, non, je vais manger comme je vous ai dit. Je vais aussi répondre à mes mails avant de m'attaquer au montage, comme ça, ça sera fait. Et puis voilà, comme je vous ai dit. Attendez, je vais vous poser. J'étais pas. Chaise qui grince. J'étais pas habillée comme ça tout à l'heure. Je sais même pas si vous m'avez vu habillée comme ça. Si, je crois. Enfin bref, j'ai mis une grosse tache de fond de teint en me maquillant. C'est pour ça que d'habitude, je me maquille toujours après. Non, je m'habille après m'être maquillée, c'est ça que je voulais dire. Faut que je fasse aussi la poussière, j'ai de la poussière partout. Je voudrais nettoyer aussi ma salle de bain. Des petits trucs à faire, ça je le ferai en fin de journée. Tranquille, j'en ai pas pour longtemps. Hop, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce week-end... J'ai fait du tournage et tout. Voilà, j'ai plus de batterie donc je vais me dépêcher. Et ça a été ça, tournage, montage et Supernatural. Supernatural. Donc j'ai passé un très bon week-end. Très reposant. Je vais aller mettre mon pilou-pilou parce que je fais ma pince. Mais je mets pas de chauffage chez moi. Bon, il fait 19-20 degrés chez moi, il fait chaud. Hein. Mais quand vous bougez pas, vous avez forcément froid. Donc je mets pas de chauffage parce qu'il fait déjà naturellement, comme je l'ai dit, 19-20 degrés. Donc je vais aller mettre mon pilou-pilou comme ça. Je vais pas du tout ressentir la fraîcheur en faisant mon montage. Et voilà, je voulais aussi vous remercier quant au retour concernant mon coup de gueule la semaine dernière concernant les bougies. Je vais pas revenir là-dessus. C'est dit une bonne fois pour toutes. Beaucoup m'ont dit, mais Marie, t'avais même pas à te justifier. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis pas le genre de personne qui me justifie justement. C'est pas, ça me ressemble pas. Mais je voulais que le message passe une bonne fois pour toutes. Et c'est passé. Donc je suis contente. D'ailleurs, Nani, dans le vlog, bah, de toute façon, on parle tous les jours avec Nani. Donc voilà. Elle en a aussi parlé de son côté, du fait qu'on lui reproche de mettre en avant sa boutique de bougies. Non, mais sérieusement, vous, quand vous. Si vous ouvrez une entreprise, ou voilà, vous ne faites pas de pub en fait. Vous faites pas de pub, surtout que c'est pas excessif ce qu'elle fait, mais bon, bref, voilà. C'était on a eu là les deux dernières semaines un lâcher de je dirais pas le mot, voilà, parce que j'ai pas envie qu'on dise que je suis mal polie, mais voilà, je sais pas, il y a des périodes comme ça et on les reconnaît hein, sur YouTube, les périodes arrivent tout le temps et c'est généralement les mêmes personnes. Ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais c'est toujours ça. Enfin bref. Entre autres, hein, parce que généralement, c'est pas, c'est sympa quand on me dit « ne le prends pas mal, mais ça reste sympa ». Mais ce dont je parlais la semaine dernière, c'était vraiment les gens qui attaquaient gratuitement. Bref, je voulais vous remercier en tout cas quand on retourne que vous avez fait par rapport à ça. Et voilà, go, 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 miam, miam, montage, miam, miam, même, miam, miam, mail, montage. C'est dur à dire. Voilà, et cette semaine, ça va être tranquille. Nouvelle journée. On est mercredi, le jour des enfants. Il est 10h30. Et là, je m'apprête à aller faire quelques courses vite fait. Je dois aussi aller chez Mondial et à la poste. Donc, je vais y aller, à mon avis, à la queue à la poste. Est-ce que vous aussi, dans vos bureaux de poste, il y a toujours la queue? C'est un truc de dingue. Peu importe, c'est dans une grande ville, dans un village, il y a toujours... la queue. Aujourd'hui, je devais aller chez ma mère parce qu'il y a des colis qui vont arriver et j'ai un colis à aller récupérer aussi en Mondial mais à côté de chez elle. Et elle m'appelle, elle me dit viens pas, c'est l'apocalypse dehors. Effectivement, il pleuvait, il y avait du vent et tout, mais moi, il n'y a rien du tout chez moi. On habite à 14 km, 17 km. Enfin bref,
Chez moi, il n'y a rien. Donc, je sais pas. Je vais voir si les colis arrivent et tout. Parce que j'ai besoin de ces colis pour pouvoir tourner une vidéo. Donc, au pire, j'irai plus tard. Et mon colis qui arrive aussi chez Mondial, bah, j'ai pas envie de le laisser traîner, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais déjà aller faire les courses. Ce sera déjà pas mal. Enfin, d'abord, je vais passer chez Mondial, à côté de chez moi, et à la Boost. Et puis voilà, j'avais préparé les sacs pour aller chez ma mère. Donc ça m'arrange pas de rien faire, entre guillemets, parce qu'en plus hier, j'ai eu le temps de faire tout ce que je vous avais dit. Et j'ai même également fait, en plus du montage et tout ça, j'ai tout nettoyé, ma baignoire, ma salle de bain. J'ai fait toute la poussière et tout et tout. Enfin bref. Hier j'étais, voilà. Donc bah, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Je pensais que j'allais tourner une vidéo et que j'allais être chez ma mère. Mais bon, non. Enfin bref, c'est pas grave, ça va être une journée chill. Heureux. On se retrouve bien plus tard. Il est midi et demi. Bon, je suis rentrée il y a un petit bout de temps déjà des courses. Mais j'étais au téléphone avec ma petite Noël. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'étais au téléphone, donc bah voilà. Là, ce que je vais faire, je vais... Ah non, c'est pas encore sec. Je vais manger. Hier, j'avais fait un plat de lasagne. Oh, pardon. Un plat de lasagne végé. Donc, je l'ai pas fini hier. Donc, je vais manger ça. Et du coup, tous les colis sont arrivés chez ma mère. Donc, j'irai, je sais pas quand, parce que demain, je peux pas y aller. En tout cas, moi, j'ai déposé à la poste et chez... Mondial Relais, mais comme je l'ai dit, j'ai un colis qui m'attend chez Mondial à côté de chez ma mère, donc faut que j'aille le récupérer aussi. Bref, c'est pas grave, aujourd'hui je vais pas tourner, je vais en profiter, journée chill. Ouais, je vais en profiter vraiment pour comme je vous ai dit, j'aime bien une fois par semaine prendre soin de moi, genre faire l'épilation, tout ça, donc bah, ça va être la journée d'aujourd'hui pour la peine. Et je vais en profiter aussi pour un peu déblayer mon meuble parce qu'on va venir le réparer demain, normalement. Donc voilà, bon, je vais faire ça aujourd'hui, du coup, ça va être tranquillou. Je me suis pris un petit peu le vent et la pluie, hein. Je suis un peu en mode les cheveux dans le vent, les cheveux fous. Donc voilà, bon, allez, go, on se retrouve plus tard. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on est jeudi. Ça va être une journée un peu particulière aujourd'hui. Encore une fois, je vais pas pouvoir vous prendre des masses. Cette semaine a été, comme diraient certains, pourrite. Et pourrie pour vous, parce que vous m'avez que vu faire des blabla, c'est chez moi, mais vite fait en plus. Mais bon là, je vous explique pourquoi aujourd'hui ça va être très court pour vous encore une fois. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va réparer le meuble de la cuisine. Voilà, il va falloir lui remettre des pieds et tout. Le remettre droit. Donc j'ai tout enlevé là ce matin, ce qu'il y a dans les tiroirs et tout ça. Et voilà, il va falloir renforcer les tiroirs aussi pour pouvoir... on a dit adieu à la prise. Pour renforcer les tiroirs pour pouvoir mettre les mugs, enfin les assiettes, les trucs comme ça, les trucs lourds. Puisqu'à la base, c'est pas du tout un meuble de cuisine, c'est une commode, donc c'est pour mettre des vêtements. Mais vous voyez, les tiroirs, du coup, ils... Ouais, vous voyez, il faut les renforcer. Donc, oui, j'avais pas peur à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Il va falloir mettre des pieds aussi, parce que du coup, à la base, il y avait une planche en bas. Et je l'ai enlevée, parce que Mina n'arrêtait pas de faire passer les jouets derrière le meuble. Donc, j'arrivais pas à les récupérer. Donc, j'ai enlevé la planche. Grosse erreur, parce que du coup, là, c'est dans le vide. Là. Donc, pour mettre un pied, justement, pour... Voilà. C'est pour ça qu'il est... que les tiroirs ferment plus. Donc aujourd'hui, grosse journée, j'ai tout enlevé et tout ça, j'en ai mis un petit peu partout comme vous avez pu voir. Donc voilà, ça c'est les tiroirs où on n'a pas besoin de renforcer parce que c'est pas lourd du tout. Et voilà, sinon bah, tout le reste des tiroirs c'est ici, ce qu'il y avait sur le meuble. C'est ici. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, gros chantier, mais je vais pas pouvoir vous filmer ça parce que déjà ça va être pas pratique du tout et je serai pas seule pour le faire, donc bah voilà, c'est pour ça que je vais pas filmer. Donc je suis vraiment désolée, cette semaine a été ouais,
a été plus que... Bon, il reste demain, mais demain, non, c'est sûr que ça va pas être la folie, parce que là, je vais m'avancer, j'ai sorti mon ordinateur. Avant de commencer, là, je vais m'avancer un max sur le montage du vlog, parce que demain, je dois aller chez ma mère pour récupérer tous mes colis, filmer et tout ça. Donc demain, ça va être pareil. Je sais même pas si je vais pas terminer le vlog aujourd'hui. Franchement, cette semaine, j'avoue, ouais, elle a pas servi à grand-chose, à part vous prendre tous les matins pour vous dire « Bon, aujourd'hui, je vais faire ça ». Et basta. Et voilà. Pourtant, j'ai bougé. Hein. Enfin, j'ai bougé. J'ai fait des courses. J'ai été chez la madre. On fait des travaux. Mais c'est pas vraiment des trucs que je peux vous montrer comme ça. Donc, enfin, voilà. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera mieux. Enfin, ça sera mieux. Il n'y a pas de moins ou de mieux. Enfin, c'est voilà, comme je vous ai dit. Oh, purée, je vous dis ça à chaque vlog. C'est ma vie. Enfin bref, je suis un peu dans le chantier. Vous savez, quand je suis comme ça, ça me stresse. Ça me stresse, j'aime pas voir ma maison quand elle est sale, quand elle est pas rangée. Je suis toquée du rangement. Ben, j'aime pas aller voir les choses traîner. Je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je mange, que je me fais genre un petit plateau TV et tout ça, je peux pas laisser le plateau quand j'ai fini sur la table. Il va falloir obligatoirement que j'aille le laver. Que j'aille tout nettoyer. Je peux pas laisser ça là traîner. Sinon, je suis pas concentrée dans le film ou dans ce que je regarde ou voilà. Mais non, je peux pas. Tu prends un truc, range-le. Enfin, c'est comme ça après qu'on est vite débordé, justement, quand on range pas ça, 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 ça. Bah après, on doit faire des tonnes et des tonnes de choses. Enfin bref. En tout cas, la maison est propre parce que comme je vous ai dit, j'ai tout lessivé la dernière fois et tout et tout. Donc c'est déjà pas mal. Là, c'est juste du bordel. Et encore, c'est du bordel organisé. Mais ça me stresse de voir ça, d'avoir ça dans mon champ visuel. Enfin bref, du coup, vous avez vu le meuble avant et puis bah, vous verrez le meuble après, voilà, tout simplement. Donc voilà, en attendant, je me suis mis dans la petite ambiance chez moi, j'ai mis pour me déstresser, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent vous apaiser. Les bougies, oh, mais oui, les bougies, encore. Cette fois-ci, vous allez être contents parce que je vais parler de Dolly et Jack. Là, je me suis mis des petits fondants et tout. Parce que j'avoue, quand je mets des fondants, bah, je me sens mieux. Des fondants ou des bougies, peu importe et tout ça. Donc, ça change tout de suite l'atmosphère, l'univers d'une maison. Donc voilà, là, j'ai mis des fondants linge frais de Dolly et Jack parce qu'ils ont aussi des fondants. Et d'ailleurs, jusqu'au... de toute façon, il fallait que je vous amène ça. C'était prévu que je vous dise ça. Donc, je dis d'ailleurs, non, pas d'ailleurs. Je vous le dis parce que je voulais vous le dire. Jusqu'au 15 février, mon code passe au lieu de moins 10%, il passe à moins 20% sur le site de Dolly et Jack. Voilà, donc je vous remets en barre d'infos le code. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils ont sur le site. Et il va y avoir du stock qui va arriver et tout ça, mais il y a déjà des pépites sur le site. Donc allez voir. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'il en reste en stock sur le site. Parce que là, ils avaient été dévalisés. Et il y a une nouvelle collection qui va pas tarder à sortir. Donc, à mon avis, les gars sont vraiment attrés sur la nouvelle co. Mais en tout cas, le code, exceptionnellement, jusqu'au 15, il passe à moins 20%. D'ailleurs, le code de Nox, qui passe aussi à moins 20%, est valable aussi jusqu'au 14. Voilà, donc, de toute façon, vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Hein, je vous enlève rien. Il y a toujours les liens, les codes et tout pour retrouver tout ce dont je vous parle. Donc voilà, mon go, je vais me speeder à faire, à commencer le montage du vlog et à regarder et tout. J'ai déjà fait les mails ce matin, bon, on est toujours ce matin, mais voilà, je me suis speedée. Mais là, il va falloir quand même que je me speed pour avancer un max sur le montage du vlog, justement pour pas que demain j'ai à le faire ou ce soir tard ou je sais pas en fait. Parce que je sais pas à quelle heure on va finir. De toute façon, on peut pas faire des travaux la nuit. Nouvelle journée. On est vendredi, ouais, j'ai pas pu vous reprendre hier parce qu'on a terminé, il était pas tout à fait 20h, j'ai récupéré ma salle, il était pas tout à fait 20h après le temps que je range tout, que je clean tout, j'ai fait même un petit tri, j'en ai profité, et bah j'ai mangé et après dodo, hein, c'est vrai, moi toi dodo tout le temps, je suis trop contente, je suis trop contente, le meuble est... réparé, bon il tenait mais c'était pas ça comme vous avez vu parce qu'il manquait de renfort, donc là en tout cas il a des renforts, je vous montre. Tadam! Alors pour vous expliquer, en fait il y a certains tiroirs, vous voyez, qui sont plus en avant que d'autres, tout simplement parce que vous savez
le cache là qu'il y a derrière les meubles. Il avait gondolé, comme ça s'était affaissé, il avait gondolé, donc du coup, même si on a remis une espèce de plaque pour pas qu'il, pour éviter qu'il gondole, il y a quand même les tiroirs qui... Voilà, mais c'est le temps que ça se fasse, entre guillemets, que le bois reprenne sa forme initiale, et puis du coup, on pourra bien mettre les trucs. Alors, il a été renforcé. Du coup, vous voyez qu'il y a des vis là, c'est pas grave, il me reste de la peinture. Je mettrai un petit coup de peinture, parce que tous les tiroirs ont aussi été complètement renforcés. Je sais pas si vous verrez, vous voyez. On a aussi remis en bas des protections de chaque côté du meuble, devant, derrière, et également des pieds. Je sais pas si vous verrez, là il y a un pied, voilà. Et du coup, on a tout renforcé, tout. Donc voilà, il y a mes anciens trous et tout. J'ai un peu abîmé le stickers, mais c'est pas grave. Ouais, je l'ai abîmé. Ça, c'était moi, j'avais vissé et tout ça, j'avais mis des équerres et tout. Mais là, c'est nickel, je suis trop contente. Le meuble, il est d'équerre, là. Ça tient de ouf. J'ai un peu chaud. Je suis partie vite fait à la poste, là, pour un colis Vinted. En ce moment, c'est poste, hein. Malgré le fait que je dise pas d'envoi à la poste, c'est quand même la poste, c'est pas grave, je devais passer, donc tant mieux la dernière fois aussi, donc c'était pas important, on va dire, ça ne chamboulait pas mon quotidien, parce que je devais aussi aller à Leclerc pour chercher des prises et tout, pour justement, pour le meuble, en fait, pour comme sur le meuble, il y a mon air fryer, attendez, je vous retourne encore, comme il y a le air fryer, le Cookeo, et l'aspirateur, j'avais mis des rallonges, des prises, des machins, et au final, j'ai racheté une multiprise, enfin voilà, un truc mieux. Le grippin est pas branché, lui. C'est la prise qui pend là. Lui, je le branche très rarement. Je sais pas si vous encore vous servez des grippins. Peut-être le matin, mais en tout cas, moi, non. J'ai dû m'en servir peut-être 3 fois. Mais bon, je le baigne pas, je me dis ça peut servir, on sait jamais, si j'en ai mangé du pain grillé chez ma mère. Le matin, on mange du pain grillé. Et c'est pas pour me déplaire. Ah, donc c'est pour ça que j'ai chaud. Parce que du coup, j'ai fait tout ça. Je suis partie à Leclerc, je suis partie à la poste. Et me voilà rentrée à la maison. Du coup, hier, comme on n'a pas commencé tout de suite, j'ai pu aller chez ma mère récupérer mes colis. Donc ça, c'est cool. Hier, j'ai commencé à faire des close-up parce que là, je vais vous tourner un haul. Et il y a du make-up dans le hall, donc j'ai commencé à vous faire des petits close-up et tout. Et là, je vais aller tourner cette fois-ci le hall complet, le hall. Donc voilà, semaine... Non, je vais pas revenir là-dessus, mais pourtant, je vous jure, j'ai fait plein de trucs. Des trucs bien en plus. C'est vrai que, bah, enfin, c'est pas des trucs spécialement à filmer, comme quand j'ai nettoyé... Enfin, je vous ai déjà fait des vidéos motivation, ménage et tout. Je vais pas recommencer à chaque fois. Je pourrais, hein. Ça fonctionne très très bien. Et puis moi-même, je suis des chaînes comme ça, motivation, ménage et tout. Mais c'est pas ce que j'avais envie de faire, là. En plus, franchement, quand je fais mon ménage, en ce moment, je suis en mode crasse-pouillette. Donc, je vais pas me faire belle pour faire le ménage. Donc, voilà, quand j'ai fait les meubles, le sol, les toilettes, la baignoire, les éviers, les machins, voilà, quoi. Un jour, je vous en referai une. Je pense, de temps en temps, je referai des vidéos motivation ménage. Donc là, le but de la journée, ça va être d'aller tourner mon haul. Les hauls, j'aime bien les tourner. Ça, c'est rapide en plus et assez facile aussi à monter. Donc, je vais aller faire mon haul et après finir cette partie des vlogs, enfin du vlogmas, enfin du... Non, je suis pas tout à fait partie du vlogmas, moi. Des weekly, enfin du weekly vlog. Et puis voilà, ce week-end, ça va être aussi tranquille. Je vais peut-être... je vais sûrement tourner cette semaine. Et voilà, c'est ce... Vous avez vu, cette semaine, vous m'avez vu que marcher entre ma chambre et la salle de bain et la cuisine. Enfin, la chambre, la salle et la cuisine. Peut-être la salle de bain. Pour vous dire ce que j'allais faire dans la journée et basta, quoi. Enfin, bref. En tout cas, j'ai très hâte d'aller tourner mon hall comme ça. Ça fait quelques jours que j'ai des trucs qui sont pas rangés et j'aimerais bien pouvoir les utiliser. Donc, je vais aller faire ça et voilà. Je suis trop contente aussi pour mon meuble, franchement. Comme je vous ai dit, il tenait. Hein. J'avais mis des équerres partout et tout. Il tenait, mais... Il commençait à s'affaisser parce qu'il manquait de soutien en dessous le meuble. Donc là, il y avait des planches et tout. Hier, c'était le chantier à la maison. Il y avait de la sciure de bois. Ouais, c'est ça. Partout et tout. D'ailleurs, mon aspirateur
aspire de ouf, franchement. Mais c'est nickel. Et peut-être que vous allez me dire pourquoi t'as pas racheté de meubles, pourquoi racheter à chaque fois. Franchement, en plus ce meuble-là, ouais, ça fait longtemps, ça fait presque 30 ans, comme je vous ai dit la dernière fois, que je l'ai. Mais je l'aime beaucoup et je vois pas pourquoi je me séparerais d'un meuble que j'aime bien. En plus, il est hyper pratique, il est grand. On trouve très très peu maintenant de commodes 8 tiroirs. Et moi, les tiroirs pour la cuisine, c'est cool. Je peux mettre plein de trucs dedans, en plus ils sont grands. Et on trouve des 8 tiroirs, mais à des prix exorbitants. Et puis, généralement, c'est nous, par exemple sur Ikea, les max, c'est 6 tiroirs. Après, si tu veux 8, il faut que tu fasses les systèmes où c'est toi-même qui fais ton meuble et tout, mais c'est ultra méga cher. Et moi, j'aime bien mon meuble, il est là, pourquoi je l'enverrais bouler, quoi. Si justement, quand j'ai changé les meubles de la salle, de ma chambre, si je ne l'ai pas acheté, c'était justement pour le mettre dans la cuisine, alors je vais le garder dans ma cuisine. Donc voilà, je sais que, voilà, je pense que vous allez comprendre le principe du pourquoi, du comment. Mais ouais, j'aime bien. Alors oui, c'est certes, c'était pas une commode faite pour la cuisine de base. Mais honnêtement, il est solide, donc voilà. Ah, ça, c'est Vinted. J'ai le téléphone qui est dans ma poche. Donc ouais, j'avais envie de le garder, puis je le garderai encore un bon bout de temps, je pense. Et voilà, il faut juste, comme je vous ai dit, que je remette un petit coup de peinture sur les vis pour plus qu'elles se voient. Enfin, on verra qu'il y a des vis, mais voilà. Mais au moins, ça le fait. Au pire, peut-être qu'un jour, je mettrai des stickers. Mais non, ça m'étonnerait parce que j'aime trop la peinture verte comme ça. Je voulais depuis des années une cuisine verte. Et maintenant que je l'ai, entre guillemets, même si c'est de la récup et tout, moi, j'adore. Je suis hyper bien dans ma cuisine, j'adore. Alors qu'avant, je la détestais. Et voilà. Bon, c'est pas pour autant que je vais m'amuser à devenir chef cuisinier, mais... Mais disons que je l'aime bien, même quand je rentre dedans, même le vert, vous avez compris que le vert c'est ma couleur préférée, mais même quand je suis dans ma salle et tout, avec mes rideaux verts et tout ça, je me sens bien. Voilà, les petits coussins verts. Bon bah je vais clôturer le vlog pour aller tourner des vidéos, enfin une du moins, et après montage. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.